Bravo. Doucement, doucement, doucement. C'est beau, c'est beau. Alors tiens un petit peu et on peut dessus. Duras à la fenêtre, Fabrice Amédéo en approche. Pas rien. Ah. On peut aller sur le vol si veut. Ah bah avoir la lumière de la ville. Bravo! Super Fabrice! Ah, mollis encore un peu. Je peux faire des bisous avant. Ok. Ça va.
J'ai quand même un super bateau et j'étais hyper motivé en partant, je la sentais bien. En plus j'avais l'intuition que ça allait super bien se passer. Quand je suis parti, je me suis dit il va se passer quelque chose, ça va être top cette transat. Et le début c'était bien, j'étais bien sur mon bateau, super à l'aise, dans le coup de vent, là le mardi j'étais vraiment super bien. Et puis bah, coup du sort, ce bout du dehors qui lâche. Dans un premier temps je me dis bah voilà, pas de bout dehors, je rentre à la Trinité et puis 2 heures plus tard, j'ai fait 40 ou 50 minutes, je sais plus. Je me dis non, il faut continuer, t'es pas comme ça, tu lâches jamais, il faut essayer de trouver une solution. Donc je repars dans l'autre sens. Et donc la réparation à Cache-Caille, 3 jours à fond avec l'équipe, ça casse un peu le rythme. Et quand je repars seul, parce que ceux qui sont en Bretagne sont partis après et puis ils sont partis de Bretagne. Et puis ceux bah, qui étaient plus ou moins avec moi, bah, ils ont continué à cavaler pendant ce temps-là, donc je repars seul. Et en plus de ça, 48 heures plus tard, le bout dehors relâche, répète. Quoi. Et donc là, il est hors de question de s'arrêter, c'est sûr. Et donc démarre une nouvelle transat sur un faux rythme, hein, avec un J1 devant, donc une voile plate. À 65% à peu près de la polaire du bateau, donc assez lent quoi. Et c'est en fait très frustrant parce que c'est une super machine, c'est vraiment une super machine. Et c'est frustrant et très douloureux de la faire marcher à 65% seulement. Je dis pas que je l'aurais fait marcher à 100%, mais peut-être 85-90%. Et rien que ça, ça aurait été extraordinaire. Juste avant de péter au large de Gibraltar, j'ai fait quand même une accélération à 35 nœuds sur ce bateau. C'est la première fois que ça m'arrivait, avec le foil qui hurle, le bateau qui décolle. Et je me suis dit, il est diabolique, c'est une machine extraordinaire. Et donc du coup, j'ai passé ensuite 2 semaines dans une sorte de douleur un peu, à me dire, c'est la honte quoi, c'est la honte de naviguer comme ça. Et en même temps, j'avais pas le choix, je pouvais pas faire plus qu'avoir mon J1, ma grand voile en haut, et puis naviguer le plus intelligemment possible en fonction des systèmes météo. Systèmes météo que je subissais parce que j'étais lent, donc j'avais même pas la possibilité de me dire, les hautes pressions descendent, je vais dans le sud, c'était même ça, c'était pas possible. Donc c'est vrai que ça a été psychologiquement très douloureux. Le rhum, c'est tous les 4 ans, je sais pas combien j'en ferai dans ma vie, mais j'en ferai pas 14, 15. Donc là c'est le 3e et j'ai bouclé mes 3 roms, mais rien que ça quand même c'est hyper important et puis c'est aussi quelque chose auquel je crois fondamentalement pour notre sport. L'ADN c'est de terminer quoi, avant de parler de performance il faut terminer les courses parce que avant la performance il y a l'aventure, ça reste une aventure de faire une route du rhum, qu'on soit là pour gagner ou pour réaliser le rêve d'une vie ou entre les deux pour moi aujourd'hui. Et donc du coup ça reste positif, ça reste une super expérience. C'est-à-dire je suis à la fois hyper content d'être allé au bout. Fier d'être allé au bout parce que c'était pas forcément évident de prendre cette décision et je l'ai prise et je sais que c'est la bonne. Et en même temps, bien évidemment, ça a été douloureux, ça a été hyper douloureux de pas être dans mes objectifs, de pas naviguer comme je voulais, de pas être dans la bagarre. Parce qu'en fait, moi j'adore être en mer, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que si tu pars pour un voyage, tu pars pour un voyage, si tu pars pour la compétition, tu pars pour la compétition. Et en fait, c'est hyper difficile de basculer de l'un à l'autre en cours de route. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon bah voilà, c'est plus la course, c'est un voyage. Profite, médite, ouvre-toi à ce qui t'entoure. Et ce que j'arrive à faire très facilement d'habitude, là, je n'y arrivais pas parce que j'étais pas parti, j'étais pas programmé pour ça mentalement au départ. Et donc du coup, c'était un vrai travail sur moi au quotidien. Ça ancre bien le mythe de la route du Rhum, une course difficile, on part, c'est quasiment l'hiver, en tout cas c'est les dépressions automnales, on va chercher le soleil. Et puis bah, c'est quelquefois pas aussi simple que ça parce qu'il y a 2, 3, 4 dépressions et il faut trouver le chemin. Donc non, c'est pour moi une très très belle édition de la route du Rhum. Et je trouve que la casse, tant qu'il n'y a pas d'accident grave, fait partie malheureusement pour ceux qui cassent du jeu. Et du coup je suis très fier d'avoir terminé à cet égard. Parce que, attends, je me souviens qu'il y avait un baron ici.